Jean Kassoula. 72 heures après la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Kobo de Tout-Puissant Mazembe se sont lancés dans la conquête nationale. Direction partie nord-est de la République démocratique du Congo, où ils ont évolué au stade Lumumba de Kisangani face au Cercle Sportif Macky Sall. La première période sera sans but. Le public présent dans ces stades sera gratifié par quelques actions franches. D'abord avec les locaux, avec Odia, ensuite Kalaba pour le Tout-Puissant Mazembe. Et c'est en seconde période que Trésor Mputu, l'ancien lieu place de Fodson Awako, le joyau des noirs et blancs, crée à la fois spectacle et fluidité dans l'animation offensive. 61e minute, son coup franc trouve la tête de Ilongo Ngassanya, un but à zéro. Réussi par Patrick Ilongo alors que Mputu a bien joué ce ballon, qui a bondi. Oh là là, le gardien, oh quel péché! Quel péché, Papindala, du gardien de but! Et 7 minutes plus tard, Eric Bokanga lui aussi monté en seconde période à la place de Jonas Akwara. Il sera éclairé par une autre passe de Mputu. Il ne tremble pas devant les gardiens adverses de 0. Deuxième but, Eric Bokanga! Eric Bokanga! Les hommes de la Mindia vont conserver ces résultats et grimpent provisoirement la deuxième place avec 7 points. Erwin Donga qui prend le coup.